Tozali kurang grasi pana zambi paskiye na bisi suta ukuru. Abombi bisho pana lukumu na kumbo na e. Il nous a préservé pour la gloire de son nom. Et tu bete liyesu na bisho ukuru. Parce que vous a compté dans la vie où il y a besoin.
Beaucoup n'ont pas reçu cette grâce. D'écouter la parole de la vérité. C'est pourquoi nous allons prendre notre texte d'Apocalypse 2. Nous parlons toujours sur l'église de Pergame. Écris à l'église de Pergame. Combien a mangé l'église et à Pergame? Voici ce qu'il dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je peux le bien saluer à mon père et à son habitat et l'imbal. À deux tranchants. L'habitat et l'imbal. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Et tes voix là, tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas. Mon témoin fidèle. Qui a été mis en mort chez vous. Là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balak. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Réponds-toi donc. Sinon, je viendrai à toi. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la main cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Parce que ce caillou est écrit un nom nouveau. Que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Que Dieu bénisse cette lecture. Et qu'il nous l'ouvre dans son amour. Toujours sur Pergame. Et cette semaine, nous allons marcher sur Pergame. On avait montré que le nom Pergam signifie mariage. Maintenant, le texte Awawa. Maintenant, dans les textes ici, nous mariage Wapi. Où est-ce que nous faisons ressortir le mariage? Nous mariage dans le verset 14. Au verset 14, dans les Kamouya Balam na Balak. En ce qui concerne Balam et Balak. Et mon nom dans Nombre chapitre 25. Et nous l'avions vu dans Nombre chapitre 25. Et que dans Balam, dans Balak, Basabanaki. Et lorsque Balam et Balak s'étaient réunis, Balak Azalaki, roi. Et Balak était le roi. Le roi de Moab. Et Balam Azalaki, devin. Et Balak était le devin Nganga. Puis Balak Azalaki a besoin de vous dire le peuple d'Israël. Et Balak avait besoin qu'on nous dise le peuple d'Israël. Parce qu'on voulait que ce peuple ait autant de victoire en victoire. Parce qu'il avait vu ce peuple marcher de victoire en victoire. Alors Azalaki a crainte. Et il avait la peur. Que ce peuple d'Israël ou Azouya. Et le peuple d'Israël qui venait. A Kobotolaé, pays n'aïe en Moab. Et qu'il puisse lui avoir son pays de Moab. Et en Moab, Bénisaka, Balam. C'est pourquoi il avait fait appel à Balam. Azalaki pour reconnaître. Israël a été puissant. Et ses rois reconnaissaient qu'Israël était puissant. Mais ce qu'il avait besoin, Azalaki qui m'a maudit ce peuple pour ce peuple et résister. Et ce qu'il avait maudit le peuple d'Israël enfin qu'il devienne faible. Donc c'était ça juste le programme de Balak les rois.
Mais tout le monde a déjà qui balame le Seigneur à Tiakamalouba na Katanokonoye. On avait vu que le Seigneur avait mis ses paroles dans le faux prophète Balaam. Afin qu'il me dise que ce que le Seigneur lui a mis. C'est par là que tu expliques qui boue doctrinalement. Et c'est pourquoi on l'avait expliqué dans la doctrine. Montapos à la faux. Donc il peut y avoir un faux serviteur. Zambé a utilisé. Mais le Seigneur l'utilise. On avait pris l'exemple de Judas Iscariot. Il était un démon. Azara qui mouli mon abbé. Selon Jean chapitre 6. Hein? Selon Jean chapitre 6. À partir du verset 70. À partir du verset 70. Le Seigneur va. Le Seigneur dit. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Les anicalités de la polygino. Vous les tous. Bino, basomi animale. Mais l'un de vous. Kasimon konabino. Est un démon. Azali démon. Tous ont été dans Matthieu 10. On était rentré dans Matthieu 10. À partir du verset premier. À partir du verset premier. On avait dit que voici, bah, oyo yo zambe, après ce qui m'a au pouvoir pour aller me porter. Là-bas, on nous montre ceux à qui le Seigneur avait remis le pouvoir pour aller prêcher la parole. Ces pouvoirs, les gens qui pouvaient guérir toutes sortes de maladies. Les gens qui pouvaient accomplir qui savent économiser. Va chasser les démons. La poubelle à la minute, ma belle. Va vous guérir paralysie, nios. Et de guérir toute forme de paralysie. Tant qu'on va citer, bâton, on va passer du pouvoir à ça, pour ça. Et lorsqu'on a cité, c'est à qui on avait remis le pouvoir au travail. Attends, il y a aussi Judas Iscariot. Et parmi eux, on a cité Judas Iscariot. Oui, Jésus a bien acquis dans Jean 6, verset 70. Et Jésus avait appelé dans Jean 6, verset 70. Démon. Démon. Et tout le monde y a encore, on a. Livre y a Luc. Et on a vu encore dans le livre de Luc. Chapitre 6. Au chapitre 6. Tomanaki à partir du verset 11. À partir du verset 11. Et tout à l'heure qui est le verset 15. On a vu aussi le verset 15. On a le Seigneur d'abord à Banaki, à Zalaki, à Ngomba, à Zalikosambé. Là-bas, le Seigneur était dans sur la montagne en prière. Dans la série de prière, il y a Zalaki pour choisir 12 disciples dans 4 disciples. À la fin de sa prière, c'était pour choisir 12 disciples parmi tant d'autres qui avaient. C'est pourquoi on avait dit que Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Il avait beaucoup de disciples. Même si vous dites Luc 10, verset 1er. Même si tu prends Luc 10, le verset 1er. Il choisit encore 70. 70 ou bien 70 autres disciples. Apona qui lui soussoubaye, colis tout pour sa mort. Et dans le total qui dans Luc 6. Et lorsqu'on avait vu dans Luc 6, tout le monde qui bouillait, on avait vu ceci. À partir du verset même 11e, je lis le nom de Jésus-Christ. Ah. Il fit rempli de fiel. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Maintenant, on a un verset 12e. Luc 6. Luc 6. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Notez à partir du verset 12. Le verset 12. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand les jours parurent, il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre. Simon, il voit Pessa qui combo. André, son frère. André, il connaît Jacques. Jacob, Jean. Yohan, Philippe. Philippe. Barthélemy. Barthélemy. Abominé le verset 15e, Alexis. Matthieu. Matthieu. Thomas. Thomas. Jacques. Yahou, fils d'Alphée. Simon appelé les Zélotes. Simon lui a appelé Moïse Zélotes. Gilles, fils de Jacques. Yude, moine, et Judas Iscariot. Et Judas Iscariot. Qui devint traître. Oyako, maka, naka, boyabanguna. Likambola, mezaboué. Mon problème est ceci. Dans le verset 13. Au verset 13. Tant les jours parus. Tant que mon collègue Maki. Il appela ses disciples. Et il en choisit 12. Auquel il donna le nom d'apôtre. Nous t'appelons ça combo
Judas aux apôtres, et ça Judas y est mon côté. Celui qui avait nommé Judas apôtre, ce n'était pas Judas lui-même. Et ça Jésus. C'était Jésus-Christ. Donc le ministère où Zambatien qui dans Judas, c'était un ministère vrai. Le ministère qui était dans Judas, c'était un vrai ministère. Mais il y a ça là qui est faux. Mais lui-même, le vase était faux. Il était un démon. Azara qui moulit mon abbé. Mais ayant un service vrai. Parce que Azara qui n'a moussala ou y a sol. Cela veut dire à moussala, moussala, mais pas qu'elle est à son lit. Cela veut dire qu'il va travailler pour aller à la perdition. Il y a un mot commun dans l'acte des apôtres. C'est pourquoi dans les actes des apôtres. Pour confirmer que le ministère, on a Azara qui est vrai. Pour confirmer que ce ministère était vrai. Mais tout dans l'acte, acte 1. On avait lu acte chapitre 1. Tant où Jésus avait toi. Lorsque Jésus fut enlevé, et que ma disciple va zongi pour imposer le Saint-Esprit dans la chambre haute, et que les disciples sont rentrés pour attendre l'Esprit dans la chambre haute, et comme le Seigneur a fourré qui m'a intelligence, et comme le Seigneur leur avait ouvert l'intelligence, afin qu'il m'a comprendre les Écritures, oui, qu'il va sur la macomie, si tu interroges pourquoi on leur avait ouvert l'intelligence et comprendre les écrits. Il fallait pas remplacer Judas. Il fallait qu'il puisse remplacer Judas, c'est-à-dire. Parce que le fait est qu'il t'a calicolé à 12 pierres. Oui, que montre qu'il t'a calicolé à ma casse au mien. Comme un de leurs était retranché. Le Saint-Esprit pour les centres. Le Saint-Esprit ne pouvait pas remplir les centres. Toujours pas remplacer. Il fallait toujours remplacer celui qui était retranché. Le Saint-Esprit de l'Église. C'est alors le Saint-Esprit, c'est lui qui quitta. Il y a un autre verset 16, acte 1. Le verset 16 des actes 1. Nous lisons dans le livre de Christ. Nous terminons comme le Saint-Esprit. Oh, mon frère. Allez, comme il parle. Là, c'est Pierre Lazare. Là, c'est Pierre qui le dit. Il fallait que dans un acte 1, dans le verset 16, dit le 19e. Acte 1, le verset 16 à 17. Homme frère, il fallait que ça accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Donc, nous sommes dans Pierre. Dans le ministère qui était dans Pierre, vous n'avez pas Judas. Qui était aussi dans Judas, c'est ça. Il y a mon nom, Pierre Azoro. Et c'est ce que dit Pierre dans cette écriture. C'est le verset 17. C'est le verset 17. C'est Dieu qui a bengaye apôtre. C'est le Seigneur qui l'avait appelé apôtre. Il était faux. Azara qui m'a appelé à mais le service qui nous a appelé qui n'a mis à qui vrai. Mais le ministère qui était en lui était vrai. Balaam était faux. Balaam, Azara qui le coupa. Mais l'esprit qui prophétisait en Balaam pour la colombination de l'arrivée de Christ était vrai. Parce que mon livre, c'est ça pour la tête, c'est Azara qui a sort. Donc Dieu a mis ses paroles. Ce n'est pas étonnant au comment on a montré à l'autre. Ce n'est pas étonnant de voir un serviteur bien couché. Alors, ma vision, il ressort aussi de vision. À son chissant, à son prophétisme. Il prophétise, mais à sa faux. Mais il est faux, serviteur. Alors, ma vision, mais il reçoit de vraies visions du ciel. Oui, Balaam avait une vision vraie. Balaam avait reçu de vraies visions. Annoncé sur la rivière un astre venu de Manakat à Jacob. Lui a annoncé même l'arrivée d'un astre qui sortira dans Jacob. Et cet astre-là, à mon avis, c'est Christ. Mais mon docteur, il s'est dit Christ au Jésus. Et puis Balaam a commenté dans le livre en homme. Ce n'était pas Balaam qui s'était lui-même écrit dans ses livres. Il a commenté dans le livre en homme. Et c'était Moïse qui avait écrit ce livre. Il a entendu Balaam prophétiser. L'esprit de Dieu. Combien? Moïse l'a écrit. Dans Nombre 23. Dans Nombre 23. À l'oubli. L'homme qui se prosterne et les essouffles. À lui, il voit les visions du Tout-Puissant. Pas une seule vision. Les mondes, il s'est révélé. Il y a Tout-Puissant. Il y a Moïse. Donc, le Dieu, de Moïse. C'est Dieu qui a visité Balaam. Balaam a annoncé. Et Balaam annonce des choses. Mais Balaam est un fou.
Il prophétise des choses. Et en regardant sa façon de travailler, Israël a béni sa parole. Il savait que si Israël détruit la parole, et le Seigneur s'y va contre lui. Et c'est pourquoi enseigna qui Balak le roi. Si on voit la terre qui tourne Balak, il faut le faux mariage et votre nakata père. Il faut que le faux mariage puisse entrer parmi le peuple de Dieu. C'est par là que nous allons faire sortir les mots Pergam. Parce qu'on a cité Balak dans cette église. Parce qu'on a cité Balak dans cette église. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, tant que dans Balak, et lorsque nous observons Balak, à sa vie, il y a Tindika, ma fille, Moabite, Madianite. Il avait incité les filles de Moab et de Madian. Nadine a été. Une pierre d'achoppement. De manière à ce qu'il puisse mettre une pierre d'achoppement. Pierre d'achoppement, les alliés que Israël a supposé l'enseignement. Enseignement, ils ont comme une pierre. Mais lorsque tu t'y opposes, donc c'est comme un achoppement. Israël a supposé l'enseignement. Qu'est-ce que Israël s'était opposé? Deutéronome 7. Deutéronome chapitre 7. Dans verset 3 dit en 5. Au verset 3 jusqu'à 5. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'envie en Congo et encore Jésus-Christ. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils. Qui servirait d'autres dieux? Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Et il te détruirait promptement. C'est ça, cette pierre qu'Israël a supposé qu'il n'a pas. Et c'est ça, cette pierre qu'Israël s'était opposée. Et comment qui, comme pierre d'achoppement. Et comment qui lui parle à l'imbakou. Maintenant, il a créé qui lui cambouane. Maintenant, qui est-ce qui avait créé cette situation? L'enseignement, c'est Balaam. Les araki balanda menaki na kisi. Sozo ngotango Israël a combattre les Madianites. Et nous le prenons quand Israël avait combattu les Madianites. Dans Nombre 31. Dans Nombre chapitre 31. Dans verset 16. Au verset 16. Dans on a bien avancé à partir du verset 13. Verset 13 à 16. Moïse, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Ah, Moïse et sacrificateur Eliezer. Moïse et Eliezer. Et tous les princes de l'assemblée sortirent au devant d'eux. Hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée. Mais Moïse a tombé qui a qui battu à ma pinga. Hasard en nombre 31. Maintenant, nous avons le verset 14e, donc qui était l'enseignant. Les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Et il est dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. L'enseignement Balaam déroule. C'est ça l'enseignement de Balaam. Montazo témoigna Moïse en Moïse. Et c'est Moïse qui le témoigne. Alors Moïse enseigna qui Madianite. Il avait dit que Balaam avait enseigné le fils de Madian. Non, Balaam enseignait qui Madianite. Et Balaam avait enseigné le fils de Madian. Nadine a été faux mariage avec les enfants. Dans le but qu'il puisse contracter le faux mariage avec les enfants. Ça, soit on est toujours pour qu'ils s'en mènent dans la réalité. Et c'est dans cet endroit-là qu'on vient faire sortir Pergam. Mais comme le Seigneur, le col en col, a toujours un reste. A toujours un faible reste qui préserve.
il faut y aller que ce n'est pas tout Israël qui était embrouillé dans ma campagne ou Bala Mayakina. Ils ont dit que ça allait vous bimander, mais maman qui l'a dit en même. Et parmi aussi les filles moabites, mais la carte s'est bien passée en moi. Madianite, et Madianite, ils ont pas mis sous le maca par Bala. Il y avait d'autres filles qui n'avaient pas cru à la parole de Bala. Pourquoi? Pour la nuit. Parce qu'il y a eu d'autres filles qui sont restées vierges. Oui, mais ils ont dit que ça allait vous bimander. Mais ils étaient étrangers. Baza et Lembo. Donc elles sont ici. Il y a Bichot. Et nous, ma nation. Le nation. Mais Babo Baza choisi par Dieu. Mais cela que Dieu a choisi. Parce que 2 Corinthiens 11, verset 2 nous dit. 2 Corinthiens 11, 2 dit ceci. Je suis jaloux de vous. Nazali Nazoua. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui, et Nabali Sibino, Nabali Boko et Nibali. Oh, une vierge. Le col à Mbino. Il y a Pétro. Donc l'église est en vierge. Donc l'église est en Londres. L'église qu'on a prise parmi les nations. L'église qu'on a prise parmi les nations. À propos, dans le faux mariage, t'es où le balamaya. Ne va pas entrer dans le faux mariage incité par balamaya. Mais en gros, au temps, on a un mot petit à petit par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons marcher petit à petit par la grâce du Seigneur. Mais en gros, dans le verset 18, tiens pour nous confirmer. C'est pourquoi je prie le verset 18 pour confirmer. Dans le nombre 31. Dans le nombre 31. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. La sibotika n'a pas mouru pas si on s'oppose à Bino Oyo Babima à mobilité. Dans le nombre, ma babo. Leur nom. Verset 35. Le verset 35. Le nombre 31. Et 32 000 personnes ou femmes. Mais 32 bateaux, 32 000. Ou femme, Pébassi, qui n'avait point connu la couche d'un homme. Oyo Batika la Kobi Mana Mobali. Parce qu'il y a 32 000. C'était au nombre de 32. C'est le verset 35 au total. C'est le verset 35 que nous venons de lire. Parce qu'il y a Bélé, le Bandima, qui parole à Balam. Elles étaient nombreuses et n'avaient pas cru à la parole de Balam. A garda qui virginité. Elles avaient gardé leur virginité. Donc, Baza comme un reste. Donc elles sont comme un reste. Maintenant, la Katiabana aussi, Nibali à Israël. Et maintenant, parmi aussi les fils d'Israël, Totanga qui n'a Deutéronome chapitre 4. On avait lu dans Deutéronome chapitre 4. Verset 3. Le verset 3. Pour la bataille, c'est que tout Israël n'a fait de peur, ma côte à tête la fausse adoration. Pour montrer que ce n'était pas tous les fils d'Israël qui étaient entrés dans la fausse adoration. Ma source m'a gardé qui fidélité à l'éternel. Les autres avaient gardé leur fidélité à l'éternel. Maintenant, le verset 3. Le verset 3. Il y a Deutéronome 4. Deutéronome 4. Dans le verset 4. Et le verset 4. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Ah. Vos yeux ont vu ce que l'éternel a fait à l'occasion des Baal-Péor. Mis sur la Bible, mon accord, Yahweh, à ça, dans le camp de commande à Baal-Péor. L'éternel, ton Dieu, a détruit des milliers de toi. Yahweh, ça vient à comment t'as dit qu'à Baal-Péor, les amis, Nzambe à Moabite. Baal-Péor, c'est le Dieu de Moabite. Parce que Baal est allé sa Seigneur. Se bat venir Seigneur propriétaire. Donc mon coloya. Donc Banzan venir sur ma belle nation. Tout le feu Dieu de ma chambre toujours dans le combat Baal. Commence toujours par Baal. Donc Baal Péor. Donc Baal Péor. Là, on attend à faire le Péor dans le nombre 25. Là, dans le nombre 25. On a continué verset 4. Je continue au verset 4. Dans Deutéronome 4. Et vous qui vous êtes attachés à l'éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Ah, cela veut dire, maintenant aussi, Dieu, quand il y a la carte à Israël en faire de peur, du temps où la séduction était entrée en Israël en faire de peur, Israël était sauté par votre séduction. Ce n'était pas tous les fils d'Israël qui étaient entrés. Et en gros, Moïse a témoigné ma voix. Et c'est ce que Moïse a témoigné ici à verset 6. Et Ecclésiaste 3, verset 14, 15, il dit. Ecclésiaste 3, 14, 15, dit ceci. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, c'est la guerre toujours. En dit, ça nous était mieux sans avoir ça le coup de la guerre. Il n'y a rien à y retrancher. Les amis, et l'autre, mon côté à Kolomulakat. Il n'y a rien à ajouter. Mon côté à Kobakisakat, Dieu fait ainsi en fait quoi les craintes. Zambéa Salamon pour Batoba Banga. Ce qui a été. Oyo Isala. C'est ce qui s'est.
ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est fait. Dieu ramène ce qui est passé. Lorsque tu observes ce tableau des affaires du Père, vous aurez remarqué toujours rien reste. La parole a séduit Cody. Même si la séduction était entrée, on a vu des filles vierges. Dans Nombre 31, verset 18. Celles qui n'étaient pas suivies. On a vu aussi leur nombre, verset 35 et Nombre 31. On a dit 32 000 filles. Elles étaient au nombre des 32 000. Tout à l'heure, on a été en On a vu aussi dans Deutéronome 4, verset 3 à 4, le verset 3 et 4, et dans l'affaire de Théor, qui était dans le nombre 25, dans la plaine des Moab, tout Israël était en adoration. Ce n'était pas tout Israël qui était entré dans la fosse. C'est Moïse qui est témoin. Il y avait toujours. C'est pourquoi dans l'église de Pergam, lorsque nous voyons la présence de faux mariages, l'écriture nous dit qu'il y a parmi vous. L'écriture des amis à Katikati n'a dit Bakangami na doctrine ya Balaam. Ceux-là qui se sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc ce n'est pas vous tous. Ma souffle va garder position vérité. Les autres ont gardé la position de la vérité. Tel que c'était dans l'homme. Dieu l'a même que c'est là. Oui, des amis à son qui s'attaque. Pourquoi nous parlons de cette chose? Parce que les gens dans la compréhension. Oui, des bâtons dans l'histoire n'est la paix. Ils ont élevé l'histoire comme si c'était la perfection. Quand Christ déclare, quand le Christ va s'aligner dans sa parole, alors je ne vous laisserai point faire. Je serai toujours avec vous. Jusqu'à la fin siècle. Qui n'en a pas souqué. Nous ne pouvons pas affirmer qu'il y a un moment où l'église était tombée. Non, bien. L'église n'est jamais tombée. Mais l'église a croisé les rues de combat pour la ligne. Pourquoi? Parce que le Seigneur préserve un faible reste. C'est pourquoi en lisant Genèse 5, Adam sera qui vivant en Enoch le septième aïe. Adam était toujours vivant lorsque naquit Enoch le septième. Et Adam aussi Enoch abouti moi en aïe, Métouchéla. Et lorsque Enoch a engendré aussi son fils Métouchéla. Adam était toujours vivant. Adam n'était pas encore mort. Je pense que tout ça va tableau en haut et puis tout le par la grâce de Dieu. Je pense que nous allons dresser ce tableau et le partager par la grâce de Dieu. Mais si tu as texte en haut. Mais si tu prends ces textes. Genèse 5. Genèse 5. Parce qu'il faut voir par Dieu à ça la haut par matin. Parce que le Seigneur ne fait pas ces choses en vain. Ce sont des choses que Dieu a mises pour un but. Parce que le véritable Adam, c'est Christ. Le diable a son les amis Christ au Yes. Alors qui je ne vous laisserai pas enfin. La petite cabinoté va l'étiquer. Et le bonheur nous fait aller David. Et notre signe de Christ, c'est David dans l'homme. Ensuite, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'éternel. Dans le quartier tout au long de la rue de Jérusalem. Dans le quartier dans les rues de Jérusalem. Ils savaient que les enfants de David ne resteront jamais des orphelins. Parce que papa n'a pas dit qu'il ne mourra pas. Parce qu'ils ont entendu leur père chanter qu'à beaucoup fatalité. C'est la venue de notre enfant resteront des orphelins. Mais la maison de David. Parce que papa n'a pas dit qu'il ne restera jamais orphelin. Parce que papa lui a confié. Parce que leur père dit qu'il ne mourra pas. Pierre maintenant lui dit que mes frères. Mais Pierre qui va découvrir. David avait dit qu'il lui a beaucoup fatigué. David avait dit à beaucoup fatigué. Mais son tombeau est parmi nous. Parce qu'il n'a rien sali les mouvements au Katikat la biso. Mais attendez, c'est que comme il était prophète, le col à Zalaki Moussako. Il a annoncé la résurrection de Christ. À Zalaki Moussako, la lycée pour Christ. C'est ce qu'il dit dans Acte 2. Il y a un bon écomami dans Acte 2. La Bible les a quittés au son de l'esclavage. La Bible est succulente si tu la respectes dans ses bords. Elle n'a pas besoin que tu ajoutes tes raisonnements. Tous ses écrits et
Donc, ma communion, c'est Zali, mon colo, Penza. La personne qui a de l'âge, tu dois la respecter. L'écriture, c'est le premier-né. On ne joue pas avec l'écriture. Si tu joues avec l'écriture dans sa prédominance, elle va t'humilier. Que tu sois un roi. Que tu sois milliardaire. Attends-toi toujours à ce qui est dit. Mis cela d'abord et pour maman. Le Seigneur rendra chacun selon ses œuvres. Dieu n'a jamais menti. Vous avez à Tika la coco sa tête. Donc, si on lit Genèse 5, en prenant Genèse chapitre 5, on nous a dit ceci. Dans verset 3, au verset 3, j'ai le nom de Jésus-Christ. Ah. Adam, âgé de 100, bosse papier, n'a pas tout ça en haut. Donc, il faut tout travailler là en haut. Nous devons travailler même petit à petit. Et ça pour la basse. Parce que c'est pour les saints, ces choses. Adam, âgé de 130 ans, Adam a 130, engendra un fils à sa ressemblance. Selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Après ça, qui est comme moi, Seth. Abotimouana à 130. Il a engendré un fils à l'âge de 130. Verset 4. Le verset 4. Les jours d'Adam. Nicolo et Adam. Après la naissance de Seth, firent des 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Parce que Roussel, moi, si au Kayan, qu'il est au bal à Outekawapi. Ils ont fait entrer une question d'où provenait la femme que Kayan avait épousée. À Balande, voilà. Kayan avait épousé sa sœur. Parce que Adam a voté qu'il des fils et des filles. Oui, il y a Adam a voté qu'il va les bénir à l'Ibal et Père Massi. Donc il est pour le bâtir avec un des bâtiments. Cela ne veut pas dire qu'Adam n'avait que deux fils. Après, on a un bâtiment, il s'en a été. Après, c'est que les fils et les fils étaient encore ajoutés. Tous les jours qu'Adam vécut firent de 930 ans. Puis il mourut. Adam peut assister la continuité. Il pense que Adam n'était pas là dans la continuité. Adam a bâti 7 à 130 ans. Adam a engendré 7 à l'âge de 130 ans. Maintenant, ce verset 7. Le verset 7. Il y a Genèse 5. Et Genèse 5. 6 là. Le verset 7 âgé de 105 ans. 7 n'a mis où 105 engendra un ange. Abota qui moi n'a pas. L'âge 7 a commis la 105 ans. Lorsque 7 à l'âge de 105 ans. Papa n'a pas dans un monde. Quel âge avait son père Adam? Des 135 ans. Des 135. Donc, Adam a profité. Donc, Adam n'était pas encore mort. Hein? Tant que Seth a bâti Enoch, lorsque Seth a engendré Enoch, Adam était encore vivant. À mon élément, il a vu son petit-fils. Il l'a vu. Là, Adam a 235. Là, Adam a 235. Parce qu'Adam a 935. Parce que Adam était mort à l'âge de 930. Maintenant, on joue l'écriture encore. Vous prenez encore l'écriture. Seth a bâti na 105 ans engendra Enoch. Et Seth à l'âge de 105 ans engendra Enoch. Enoch a bâti en 7 ans 105. Enoch fut né à l'âge de 105 ans et 7. Maintenant, tu suis Enoch. Nous prenons Enoch. Enoch âgé de 90 ans. Enoch n'a mis où il y a 90 ans. Engendra Kenan. A bâti qui moi na Kenan. Tant qu'Enoch a commis à 90 ans. Lorsque Enoch arrive à l'âge de 90 ans. Adam a commis à Moulani. Quel âge avait Adam? 300. Parce qu'Adam a 200 combien? 205. Parce qu'il avait 205. 204. Adam a 200 combien? Adam a 235. Tant que Coco n'a pas autant. Lorsque son petit-fils finit. Maintenant, Coco a commis à 90 ans. Maintenant, son petit-fils. C'est arrivé à mais quel âge aura Adam? 425 ans. Est-ce qu'Adam est mort?
325. Hein? Hein, Azar à 325. Azar est vivant. Il est toujours vivant. Il n'est pas encore mort. Voilà, et non, je ne peux pas te dire. Là, et non, je viens d'engendrer Kenan. Mais là, autant, à partir de Kenan. À partir de Kenan. Aujourd'hui, verset 12. Le verset 12. Kenan, âgé de 70 ans. Kenan, je n'ai pas eu à 70 ans. Engendrant Maharaël. Abonne-moi la Maharaël. Moi, je suis ya, parce que tout le temps, Moula ya, Adam, Titan, Kenan, Abotan. L'âge d'Adam jusqu'à la naissance de Kenan. Maintenant, Kenan peut avoir mis à 70 ans. Maintenant, Kenan, l'âge de 70 ans. Abonne-moi Maharaël. Il a engendré Maharaël. Soit 70 ans, on a bâti ça, mais il a rajouté 70 ans à l'âge d'Adam. Abonne-moi la première. 395 ans. Est-ce qu'Anna s'est accouché? Est-ce qu'elle est déjà vivant? Il est toujours vivant. Alors, à 395 ans, il a 395 ans à la naissance de Bakou. Il voit ses pères à 300. Parce qu'il était mort à l'âge de 930 ans. Alors, tant que Maharaël a beau terminer. Lorsque Maharaël finit, au temps de l'écriture, tu regardes l'écriture. Dans verset. Verset 13, 15, ok. Tout est là ensemble, oui. Maharaël, âgé de 65 ans. Maharaël, Namibou, 65. Engendra Jéret. Abonne-moi la mobile Jéret. Adam, comme il a mis la boule. Quel âge est dans la boule? Hein? 460 ans. Est-ce qu'Adam a couché? Est-ce qu'il est déjà mort? Tiens, c'est vivant. Non, il était encore vivant. Il était mort à l'âge de 930 ans. Il est encore vivant. Il voit ses petits-fils dans les générations. Il est mort. Il a dit qu'il n'était pas Il a dit qu'il n'était pas Wana Jere, maman, ce qui on a 20 ans, vous avez dit maman. Si à l'âge de 20 ans, tu avais enfanté. Wana, elle a commis 15 ans. Maintenant, ton fils a 15 ans. Yo, comment on a 37 ans. Et toi, tu auras 37 ans. 35. 35. Ce qui maintenant, moi, on a commis na 17 ans. Maintenant, si ton fils a 17 ans, tu as à l'âge de 35 ans. Maintenant, si tu as ajouté à ton âge. C'est la vérité pour moi, on a 39 ans. C'est la vérité aussi, tu. Totaliste 39 ans. Ce qui moi n'a pas abouti moi ma 19 ans. Et si ton fils a argent, tu as 39 ans. Tu vois, j'ai 39 ans. Lorsque ton petit-fils est né. Maintenant, pourquoi le savoir qu'on a combien à 20 ans? Maintenant, lorsque ton petit-fils aura 20 ans. Il y a combien à 59 ans? Mais toi, tu auras 59 ans. Oui. Bonjour, maman. C'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, nous sommes dans Maharaël. Nous sommes dans Maharaël. À sa côté, Jéret. Il a déjà engendré Jéret. Adam, Zanaboulaboni. Adam, quel âge? 400. Ok. Maintenant, verset 18. Le verset 18. Jéret, âgé de 162 ans. Jéret, l'amibou 162. Engendra Enon. Abonne-moi la mobile Enon. Voilà, Adam, combien? Là, Adam, quel âge? 622 ans. Lorsque l'autre finit, est-ce qu'Adam vous fit? Est-ce qu'elle est déjà mort? Non. Adam était mort à l'âge de 9 ans. Adam a un oncle septième. Adam veut vivre un oncle septième physiquement comme ça. Mais comment ils ont pas embatté? Ces choses ne sont pas en vain. Ils n'ont pas embatté. Ces choses ne sont pas en vain. Mon avantage, c'est que je ne vous laisserai pas le faire. La septième étape a été jusqu'à la septième étape de l'église. A Zali la bonne. A Zaliwa. C'est qui a été. Oui, Dieu est salata. C'est ça. Mais moi, il y a un cas. Qui ramène que ce qui est passé. Ça fait un son qui s'attaque à ta maille. Tu penses que le Seigneur a fait ce chien. Gilles Daloui est un oncle septième. Un oncle dans la salle où t'as ta main. Lorsqu'il finit, Adam était vivant. Adam a 622 ans. Il avait 622 ans. Maintenant, lorsque un homme a engendré, Tosui
Enoch dans la robote. Nous prenons Enoch lorsque nous avons tourmenté sans robote. Enoch ne peut pas être enlevé sans donner naissance. Parce que nous aussi, nous avons souffert de l'aide d'enfant. Jusqu'à ce que nous allons donner naissance. Donc, pour manifester Christ. Pour t'aliser sur Jésus, nous avons une mission. Vous prenez ici. Verset 21. Enoch, âgé de 65 ans. Enoch, na mibu 65. Engendra Métouchel. Abota ki mwana mobali ezali Métouchel. Wana ana combien na combien? Là Adam quel âge? Hein? 687 ans. Mibu 687. Wana Enoch aboti Métouchel. Et là, Enoch a engendré Métouchel. Métouchel a donné quoi la huitième. Mais Métouchel était comme le huitième. Donc, il faut qu'on comprenne le même. Vous devez comprendre ce que j'ai dit. Métouchel est allé dire Adam et Moko encore aïe. Métouchel, c'est comme la répétition d'Adam, le huitième. Parce que huit, ça va toujours un. Parce que huit, c'est toujours un. Répétez. C'est dans le calendrier, là, il y a un temps dans lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Alléluia. Amen. Donc ce fils-là, c'est Adam le premier répété en huit. C'est un signe perfection. Daniel est moi mon coquille bête. Moi là, Adam était vivant. Adam a salé qui n'a pas moi il attend moi. C'est ça, je ne vous laisserai pas enfermer. D'accord, la rose. Ta communauté va être de fin. Dans Genèse, je serai toujours avec vous. N'a pas la tata, la communauté, la petite communauté. Il sera toujours là. Et il est babéguié la Bible Adam et Ami. Il va bénir Adam et Yassouk. Il n'y a pas Adam troisième d'Adam. Adam et Ami, ça doit s'arrêter. C'est ça qu'on a dit la maison à Hébreu 3. C'est ça qu'on a dit la maison. La maison de l'Israël. Après la maison de l'Église. Mais la maison de l'Église. La maison de l'Israël. Dans la maison qui est Israël. C'est Moïse qui est le serviteur. Les animaux, c'est là, les animaux, ça y a c'est. La maison de l'église. D'après les animaux, Hébreux 3. Hébreux 3. C'est Christ et Jésus qui est le serviteur fidèle dans sa propre maison. Les animaux, Christ, là, les animaux, ça y a c'est, on a d'accord, on a aimé. Il y en a que deux. Les animaux, ça y a d'accord. Où il y est dans Deutéronome 25. Vous venez dans Deutéronome 25. Dans verset 10. Verset 10. Il y a la maison, il y a des chaussées. Les amis, d'accord, mon tour, Maloura, ça va. La maison des chaussées. D'accord, mon tour, Maloura, ça va. C'est le signe de la maison Moïse. C'est le signe de la maison. Parce que Moïse a tout un mandat. Ça porte les églises en Mongolie. Quand Dieu donnait le mandat à Moïse, il s'appuyait déjà. Il avait déjà porte dessus. Le bois à sa patte en Mongolie. Alors, un programme pour la rachat peuple en Égypte. Il ressort le programme de la rédemption du peuple. Bien. Mongolie. Mais Jean-Baptiste a dit. Mais Jean-Baptiste est venu. Alors, il dit qu'Oyazouya a pris ça. Oyazouya, si malheur, Zalaka, il a pris ça. Oui, il a pris ça. Oui, il a pris ça. Il a pris ça. Il a pris ça. Je ne peux pas délier le pouvoir de Seigneur. Oyazouya, on a lancé lui qui dans le Jourdain. Dans le Jourdain. A ouvre un mandat avec des sandales. Donc, il reçoit un mandat avec des souliers au pied. Avec des souliers au pied. Donc cela veut dire à ça ma droit de rachat. Cela veut dire à ça ma coquille à aussi pour la bâton. Il est à Benami Poissy pour la mission. C'est lui qui est appelé à nous racheter. Et donc l'écriture est le baka. L'écriture dit Yesu a son pas mission du souffle. Jésus nous a racheté. Quand on dit racheté, on le ressemble à Missus. On somme à Missus. Donc cela veut dire c'est-à-dire, tant qu'Adam, oui. Lorsque Adam est tombé, tout est gamin. Nous étions en péché. Tout est camis. Nous étions vendus au péché. Maintenant, c'est lui qui viendra nous acheter, va nous racheter pour la vie. Ah, l'amour, mon œuvre du sang de Christ, c'est un rachat. C'est pourquoi l'œuvre de la présence au sommet par la vie. Et le bagage de Christ nous a acheté par la vie. Christ nous a racheté. À son médicament, donc vous avez déjà acheté par les péchés. Oui, t'es noté comme un canadien. Mais dans ce cas, vous êtes comme un. Mais si vous étiez vendu, beaucoup sont par ma vie. Vous serez racheté ou acheté par l'œuvre. C'est à l'œuvre et à
pourquoi la valikris, c'est l'achat dans la deuxième fois. Ah, c'est ça. Ils ont achat deuxième fois. C'est ça les représentants. C'est ça racheter. Ah. Parce que tous amis, tout ce qui vendit au péché. Donc, côté Kamakane, sous vendit n'a qu'à ta mal. Donc, côté Kamakane, la vie n'y a sur ma vie. Donc, toute vie mauvaise. Et le Seigneur a accepté à quoi qu'on sombre à Bissoli. Parce qu'on a un dimanche aussi qu'on a qu'on sombre à Bissoli. Donc, au texte, n'en suis à quoi. Les textes ici, je l'ai pris pour confirmer. Pour confirmer. C'est que Paul a dit pas à Colossiens. Dans le chapitre 1er, verset 6e, 7e, verset 6 et 7. Alors que la parole est allée qu'au temps dans le monde. Donc la parole est déjà dans le monde entier. Et au Kenge grandissant. Et elle va grandissant. Donc, bataille. Jérusalem, dans les serviteurs s'étaient dispersés en provenance de Jérusalem. L'ignorité donc ce n'était pas dans l'Europe que la parole s'était répandue. Mais Panzana en Afrique. Mais même l'Afrique avait reçu la parole. Les nuits éthiopiens avaient la parole après qu'ils ont été baptisés. Les nuits éthiopiens avaient apporté la parole en Afrique après s'être baptisés. Après Wana a béni ça l'un des apôtres. Et après cela, il avait fait appel à l'un des apôtres en Éthiopie. Nakota Inde aussi. Et du côté des Indes. Un autre apôtre aussi à Kenya. Donc la parole des écoles en plein monde grandissant. Donc la parole allait grandissant, croissant dans le monde. Et pour lui, vous allez tout fêter. Et la parole ne pouvait pas être tout fait. Personne n'a pas retenir parole. La voix de l'Éternel, c'est comme des grosses eaux, des grandes eaux. Et si tu mets une barrière, cette voix va briser la barrière. Les a force. Les animes à casse. Parce que la parole, c'est le premier. Vous êtes les animaux à la yamoni temps où Jacob a défini le premier. Pourquoi lorsque Jacob définit le premier? Alors il est petit comme les autres. C'est ça le premier. Il y a moins de moi d'ailleurs. Ils ont une force. Ils ont mis au casque. La force des eaux. Il y a la maman. Il y a moins dans Ézéchiel chapitre 1er. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 1er. La voix du Tout-Puissant. Mon bon est ma main minée. Même l'Apocalypse chapitre 1er. Même l'Apocalypse 1er. Même langage. On utilise le même langage. Pour qui jamais qu'on freine la parole. Tu ne peux jamais freiner la parole de Dieu. La parole des autres. Il nous a dit qu'il y a un moment temps pour faire sortir les mariages où les amis en temps perdant. C'est pourquoi en faisant ressortir les mariages du temps de perdant, dans l'ombre du temps de Balaam, tout le monde a dit qu'il y avait un roi. Dans l'ombre du temps de Balaam, il y avait un roi. Balaam, qui était Balaam, en alliance avec Balaam, a prononcé une mauvaise parole. Il a prononcé une mauvaise parole. Pour séduire les peuples par les faux mariages. J'ai séduit le peuple dans ma balle. Mais tant aussi perdant. Et du temps aussi de perdant. La royauté sur la terre était entre les mains de Rome. C'est Rome. Nantawana et Zalitaya Constantin. Et c'était du temps de l'empereur Constantin. Parce qu'après Dioclétien, et celui qui avait succédé, c'était Constantin. Cela veut dire qu'il faut présenter faux prophètes. Donc on doit présenter un faux prophète. Et les faux prophètes à vous présenter, mais vous savez, c'est la façon dont Constantin, les amis, on l'a au cours Constantin, a séparé d'abord pour l'idéaliser. Macabazan avait désiré de donner libre accès aux religions. Mais souci d'ailleurs ma casse. Mais son grand souci est pour a gagner ma télé à moi qui m'a troublé ça. C'était pour gagner la terre en fait d'éviter les troubles. Il a besoin à harmoniser ma confession. Il avait besoin d'harmoniser les confessions des religions. Mais la carte il a un mot et c'est vrai qu'il m'a compte ça va culte païen. Mais il fallait qu'on puisse introduire les cultes. Ma loi païenne. Indi mama ensemble. Puisse être accepté et harmonisé. Et ce qui sera comme église et tambola nanzela. Et ce qui sera appelé comme église puisse marcher dans ces choses. C'est programme de 325 qui a considéré Nice. Vous voyez ce programme de 325 qui a considéré. Exactement, mariage. Et ça qui pèta dit pas là. C'est un faux mariage. Là, c'est ça qui dit pas là, il y a ma bête. Et nous croyons que nous allons parler de Balaam. Et nous croyons que comme on a parlé de Balaam.
il y a aussi des filles vierges qui vont garder position à la maison. Il y aura aussi des fils qui ne vont jamais dans faux mariage. Il y aura aussi des fils qui n'entreront pas dans ces faux mariages. C'est pourquoi tout ça. C'est pourquoi à cette histoire reconnue que les Rouana église et Koufad. Même si l'histoire nous raconte qu'à ce temps-là, l'église était morte. Et ça âge, il y a tant à ténèbres. Ça a dit qu'il y a que. Oh, t'as un fils Moko, Adam Zaradite, t'as un quatrième fils. Je ne veux pas renier la présence d'Adam dans la génération. Dans toute génération. Adam était présent. Il était toujours. Azaraki Wanaka. Azara la terre. Je ne vous laisserai pas. Il est toujours dans la parole, la petite habileté va m'étiquer. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, Dieu garde toujours le reste. Vous avez abattu la carte à Zara. C'est une voix. Il y a moi un total sacré que nous avons montré ici au milieu de nous. Na katika tini balam aussi bata. Les amis peuvent abattre balam. Oui, Baba moi ni mes pierres deux. Tu vas les reconnaître par rapport aux œuvres des deux pierres. Afin de na ben pédicité au jour. Na katika bi kombo na ni soba. Azuri sete isamanga manzoto na yena facile. En train de se délecter en plein jour de ses convoitises. Aza un homme qui est né pour être détruit. On l'avait déjà prêché. On avait parlé de ces pièges. L'orgueil. L'olène. Manque à repentance. Donc, on s'en va pour la des impudicités. Donc, parole comme des nuits sans jour. Donc, malheureusement, on les a mal en voulant. Il peut avoir un gros terme avec un petit creux. Nuits sans jour. Enfin, il y a ma parole qui distrait. Donc, ma parole est sous. Tiens, il faut que tu parce que Jésus avait dit dans Matthieu 7. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 7. Vous voyez, Baba, vous parlez. Vous les reconnaîtrez par leur fruit. Malouis et Malouka, quand ma femme borne dans le péché. Ma passion va tomber sans mal à ma soupe. Et puis, Malouka, quand Mingi, Bato, Babo, Malouis et Babo, moi, ici, quand il y a une amazame. Les gens qui viennent à peine de s'échapper des choses du monde. On va détourner Babo dans des impudicités. Et détourner les mal, les âmes mal affermies dans les impudicités. Et c'est ça l'aspect à deux pierres d'aimer, ils ont présenté les faux parmi. Et c'est comme ça que deux pierres présentent les faux serviteurs. Et tant où Bakomi n'a l'oreille Wana les faux. Et lorsqu'ils arrivent à cet état-là, là, Bazo Koma apostat. C'est pourquoi on avait montré lorsque les apôtres prêchaient la parole, il y avait l'assemblée des saints dirigés par Diotrephe. Un homme qui parlait toujours dans ma paix à ma pote. Un homme qui parlait toujours dans ma paix à ma pote. Il refusait même de recevoir les apôtres dans les gens. Les gens ne vont pas dire qu'il n'y a rien. Donc si il y a un paix à ma pauvre Jean, c'est un militant des apôtres, ma fou, il y avait aussi des faux serviteurs. Notre foi à Yamakama grâce test. C'est notre foi là ne reçoit pas les grâces à l'église. Effectivement, quand on parle de ça, effectivement, quand on parle de ces choses, Azal déjà apostat. Azali, pour toi, moi qui conduis à la grâce. Parce qu'on nous donne méprise la grâce. Parce que c'est lui qui méprise la grâce. Pour un intérêt de la chair. Pour un intérêt charnel. Il a déjà abandonné Dieu. Nous salons l'âme, premièrement, on voit les âmes. L'œuvre de Dieu va bon à canon minimum. Sauf que nous avons un tambour pour carrière, on les autres, mais ça vient. Si un serviteur fait des voyages parce que ses carrières payent, on est déjà Balaam. Il est déjà devenu Balaam. Parce que Balaam avait vraiment été capable de salaire de l'iniquité. Mais maman, il a le foot, il a le conseil à mort. Tant que lorsqu'il est venu, à son moment en bon, il voit seulement la carrière des autres, mais ça vient. La carrière paye. Alors quand la carrière est continue à vous présenter, lorsque la carrière va sécher en argent, vous serez surpris effectivement de la carrière. Aussi la Bible, et j'ai déjà sorti. Dieu Balaam le fait. Il est en train de se promener pour son ventre. On fait les voyages de Seigneur pour les âmes. Pour les âmes. Pour la c'est très important. Si tu arrives quelque part, vous sentez que vous savez comment on a dit. Disons que tu ne vas pas accomplir cette tâche.
Mais on dit qui en gros, continue, vous allez continuer. Mais pardon, c'est endroit, tu continues ton voyage. C'est comme dans la ligne à campagne. C'est comme j'étais à campagne. Ma personne a 1000 dollars pour un zonda. On m'a donné 1000 dollars pour louer une maison. Donc, dans la ligne à... Comme j'avais senti que je ne veux pas louer une maison, j'ai pris l'argent et je vais sortir de la ville. Tu ne m'as pas donné l'argent pour aller avec. Je suis allé jusque chez toi. J'ai pris ces 1000 dollars. Après, je me suis rendu à Lyon. C'est quoi l'argent? C'était je ne veux pas prendre la maison, papa. Bon, on baisse 1000 mètres, non? C'est non, parce que tu m'as donné 1000 dollars. Et les quêtes interprétations? C'est plus que l'interprétation de la parole. Non. Mais c'est bien. Je l'ai lu et remis. Tout ce qu'il avait fait, je l'ai lu et remis. Là, la personne du voyage. On a fait les frères sont témoins. Parce que c'est le mille. Je lui ai remis. Je me suis rendu à Rio. Vous allez dans le corps sur la mort. Et lui, on va faire la famille à plus que 1000 dollars. Non, je n'avais pas dit que j'avais plus que ça. Je n'avais pas l'argent. Je n'avais pas d'argent. C'est bien logique quand même à la poison. C'est quoi la logique que les choses l'homme a posé la terre? C'est que je ne pas faire. J'ai remis l'argent. Ils ont tout le temps pour la partie. Tu vas manquer le royaume de Dieu à cause de 1000 dollars. Vous allez dans le contrat. Tu manques le royaume. Parce que là, on va tous nous sommes mariés à dollars facilement. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas par les dollars. Ils tombent les écritures. Mais ici, on les dit déjà. Au moins, tu vois qu'ici, pour les malades, on va bien. Vous sortez avec une bonne somme. Il ne faut pas prêcher et faire enseigner. J'avais croisé ça en Angola. On m'a dit. Tu sais que tu es parent. Donc tu es chef de famille. Il faut que tu vas savoir que cette église paye 20 dollars. Tu peux sortir pas moins de 20 dollars. Mais seulement. À condition que. À condition. Au moins, il était avec le baptême d'eau. Vous voyez l'enseignement du baptême d'eau? Si tu prends seulement le baptême d'eau, les frères riches qui sont à l'église, ils ne vont rien te donner. Parce que c'est l'assemblée de ceux qui ont été baptisés. C'est une assemblée de ceux qui n'ont pas fait le baptême d'eau. Maintenant, au moins, l'assemblée de ceux qui ont été. Vous voyez cette assemblée? Il dit qu'à serpent, avec le serpent ancien, Moïse. Donc, le serpent du jardin de Moïse. Les serpents, Moïse. Ce qui m'a dit, maintenant si tu le précises, c'est fini, tu auras l'argent. Avec tes mains, tu seras le témoin. On m'a raconté l'histoire d'un serviteur. Mais un serviteur était passé. Par ce qui est, mais voilà, pasteur de l'église. Là, c'est le pasteur qui me dit. Il y a un église. Un pasteur de l'église, c'est ça. Témoin, un serviteur de l'église. Ligne à suivre. On lui a donné des lignes à suivre. Il les a respectés, il était sorti pas avec pas moins de 20 000 dollars. C'est comme si la diable. J'ai toujours chassé le diable. Mais j'ai vu le diable parmi. Le serviteur est passé là juste devant mon attaque à l'église. Il s'est tourné contre l'église. Il a dit croyons l'enseignement qui se prêche ici. On nous avait menti au sujet de baptême. Mais qui pose ça pour lui? J'ai envie de pleurer. Et qu'est-ce que c'est lui?
Bon, on ne connaît pas quelqu'un sans avoir eu. Quand il a monté tout, écoutez ce que qui est. J'avais appelé ce soir. Habitat le témoignage de ma précieuse Yo Awa. Les témoignages qu'on a rendus sur toi ici. Que Yo Boye Boye Boye. Et toi, tu as fait des compromis sur ça. Est-ce que c'est vrai? Il m'a dit. Il faut que le thème vraiment est beau et à l'issue.
sacrifie pas ta vie dans le péché. Ton corps est pour Christ. Il faut qu'on se protéger. Parce que ton corps appartient à Christ. Même tes pensées, il faut les en appeler. Témoigner le nom du Seigneur. Nous allons continuer pour le dimanche par la grâce de Dieu. Oui, Yoko Sambela. Oui, tu vas prier. Tu vas t'abandonner entre les mains de Dieu. Tu diras au Seigneur que mes yeux ne regardent que la parole. Ma vie est témoignée que la vérité. Donne-moi la force de m'attacher à la parole. Pardonne mes péchés. Je ne m'attache pas à une mauvaise voie. Mais que ma vie est attachée à la parole. Prions les dieux de Dieu. Tu es les dieux de grâce. Tu es les dieux saints. Mon appui Yahweh, l'appui en homme roi. Et bon verrons en son Yahweh, l'appui car moi je suis pour ça. Ici, pour mon aimé Yahweh, l'appui en homme roi. Jésus-Christ. Les bons verrons mon aile les amener dans l'ensemble. Les bons refuges, les yeux, les yeux. Corona qu'est que son Christ, les yeux grâce. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ, les yeux. Vous en savez la poulée. Dieu, les yeux, les lumières. Vous en savez la licite. Dieu, les yeux, les rédemptions. Que ma vie est à la poulée ensemble. Que ma vie t'appartient, mon Dieu. La dame ou la carte, la porte au Seigneur, la joie. Sachez dans l'obéissance de ta parole. Et je vais s'accrocher à la vérité. Et je m'accroche à la vérité. Suis les annonces par la Nazar. Et nous même c'est pour ça que nous avons. Suis les annonces par la Seigneur. Je suis sur la loi de moi. Les péchés dominaient ma vie. Les péchés de l'ouïe de toi. Les péchés dominaient ma vie. Les péchés de l'ouïe de toi. M'a élevé ta grandeur, Rocher. Élevé ta grandeur, Rocher. Et tu es grâce. Vous en savez, mon Dieu. Ma coquille, je n'ai pas.
Solo. Et l'écriture dans le psaume 33, l'écriture dans le psaume 33, il dit la chose à Dieu. Il ordonne ses réussites. Après sa capitule, on peut s'en aller. Dans Esaïe aussi, à l'homme, dans Esaïe aussi, il dit la simbaïo, la mokaba, la mouette, et yo yéba. J'étais seul avant que tu me connaisses. Zaba simbaïo, avant yo yéba. Et Seigneur, t'avais quelqu'un à la sainte. Attends, la vie de mon maman, la simbaïo. Même dans les ventes de ta mère, il t'a fait saisir. Notamment aux anabobo, il poignait la simbaïo. Je t'ai rendu parce que c'est lui qui t'avait saisi. Maman, non, yéba, il était parfois. Ta mère ne le connaissait pas. Mais on va te la main, il bosse la matin, ma paix. Yeah.
Jésus-Christ. Nous prions sur merci pour sa bénédiction. En nom de Jésus-Christ, nous prions pour sa bénédiction. Vous êtes ma malade, vous êtes pour la bénédiction. Vous êtes en paix pour les disciples dans son ordre. J'ai une lumière, une véritable rédemption. Vous êtes en paix pour les disciples. Merci mon appui. Vous n'y connaissez pas mon ennemi, Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes là où